70 ans après sa création, le fonctionnement de l'OTAN pose question. Pour le comprendre, il est nécessaire de remonter au contexte de sa création. L'OTAN, acronyme de Organisation du traité de l'Atlantique Nord, née en 1949 pendant la guerre froide. L'organisation scelle alors une alliance stratégique entre les États-Unis et 11 autres pays fondateurs, dont la France. Objectif, contrer la tentative d'hégémonie du bloc soviétique. Mais après l'effondrement de l'URSS, ces objectifs sont réévalués pour faire face aux menaces plus récentes, comme le terrorisme. Au cœur du traité d'Atlantique Nord, l'article 5, qui assure une défense commune contre les menaces extérieures. L'article stipule qu'une attaque armée contre l'un de ses membres sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties. En conséquence, si un pays membre est attaqué, les autres membres s'engagent à répondre par une défense collective. Cette défense est diplomatique, mais l'OTAN possède aussi des capacités militaires. Lorsqu'une opération est approuvée par le Conseil de l'Atlantique Nord, ses moyens militaires lui sont fournis par les États membres sur la base du volontariat et lui permettent de conduire des interventions armées. Aujourd'hui, alors que s'aggravent des divisions au sein de l'Alliance, l'organisation politico-militaire est au centre de toutes les critiques. Le président français Emmanuel Macron est récemment allé jusqu'à déplorer la mort cérébrale de l'organisation quand son homologue américain Donald Trump ne cesse de réclamer un meilleur partage des dépenses militaires. À l'heure où des analystes annoncent le déclin de l'organisation, d'autres appellent à sauver l'unité de l'Alliance, à se réinventer pour faire face aux nouveaux enjeux, à l'heure de la montée en puissance de la Chine, second budget militaire du monde. Outre les sujets d'actualité brûlants, ce nouveau sommet qui s'ouvre pourrait s'apparenter à une opération de sauvetage de l'organisation.